Yon lot fwa, go bonjour, sa tout moun, merci pou fidelite nou avèk ekip Bombad Media la ou la, depi Bombad Polis. Se yon plezi pou nou rejoin nou pou yon lot video. Si se premye fwa vizite nou informasyon nou pataje yon enterese, ou pa bliye abone avèk Bombad Media na ou, epi ouvri chèn notifikasyon. Sa pèmèt ou fè bati ekip notifikasyon Bombad Media na ou la. Ebyen nou pa pèdi tan, nap komanse. Cool, yeah. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, les membres de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, distingués invités, sans vouloir faire un accro au protocole, Madame la directrice de cabinet, Monsieur le secrétaire général de la primature, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le directeur de la communication, je tiens à remercier tous les amis de la presse pour avoir répondu favorablement à l'invitation en vue de couvrir la cérémonie d'aujourd'hui. Il s'agit de la remise du rapport préliminaire commandité par le gouvernement de la République, conformément aux vœux du président de la République, son excellent Jovenel Moïse. Ce rapport concerne plus précisément l'importation des produits pétroliers sur le marché haïtien. Cette démarche s'inscrit dans la logique normale de la gouvernance où le contrôle du fonctionnement des marchés relève d'une activité régulière de l'autorité. Autrement dit, cette enquête n'a rien à voir avec la conjoncture. Elle s'insère dans la dynamique de la régulation des marchés qui est une obligation de l'autorité publique comme je viens de le dire. Selon la mission qui lui a été confiée, l'Inspection générale des finances, IGF, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, et l'unité centrale de renseignement financier, UCREF, devraient collecter des informations sur la gestion du carburant sur une période de 10 ans, soit de mars 2010 à mai 2020. Cette période se divise en deux sous-périodes. La première, mars 2010 à mars 2019, est période où l'État assumait l'importation des produits pétroliers à travers le BMPAD, qui est le Bureau de monétisation de l'aide au développement. La deuxième période, de mars 2019 à mai 2020, qu'on appelle période de la libéralisation du marché pétrolier haïtien à la demande des compagnies pétrolières. Ça veut dire l'État, à un certain moment, du moins dans le premier temps, c'est qu'on importait produits à travers BMPAD. C'était de mars 2010 à 2019. Bon, deuxième période, compagnie pétrolière, c'est fait valoir leurs droits ou bien elles avaient demandé l'autorisation de commander les produits. Ces informations concernent en particulier le cadre légal, les marchés publics, les transactions financières liées aux importations des produits pétroliers et c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois le rapport au nom du président de la République. Et j'en profite pour remercier ces trois institutions qui ont beaucoup travaillé pour leur professionnalisme et le respect aussi du délai. Parce que j'avais déjà reçu une correspondance disant qu'elles avaient déjà terminé, mais malheureusement, par souci de temps, on n'a pas eu l'opportunité de recevoir le rapport. Alors, c'est fait aujourd'hui. Je remercie tout le monde. Merci d'être venu. Et je repasse la parole au maître de cérémonie. Merci beaucoup. Merci, PM. Comme je l'avais dit tantôt, on n'aura pas de questions sur le rapport puisqu'il s'agit d'un rapport préliminaire. Il n'est pas encore définitif. Maintenant, le PM est disposé, disponible à prendre deux ou trois questions de l'actualité pour clore la cérémonie de ce matin. On demande la parole, on s'identifie, on s'approche.
Bonsoir, je suis Daniel Sénat pour le nouveliste Magic 9. Bonjour le Premier ministre Bureau intégré des Nations Unies, Bénin, qui sont communiqués de presse dans la semaine pour demander pour capable de poursuivre auteur, attaque et exaction sur le quartier populaire et limiter l'accès particulièrement sur Jimmy Chérizé à l'alias Barbecue. Est-ce que vous avez une réaction par rapport avec les demandes, par rapport avec prise de position? Deuxième question, est-ce que vous avez de vue entre vous-même et les États-Unis, l'ambassade américaine, le département d'État, sur le directeur général de la police là, puisque vous êtes très insatisfait par rapport avec le travail, alors que les États-Unis et l'ambassade des États-Unis, le département d'État, vous pouvez aider plutôt pour nous et mettre plus de moyens à disposition de la PNH pour le capable de faire travailler. Concernant le rapport Bénin, nous prenons note. La police nationale, avec les autorités judiciaires du pays, a continué à chercher Jimmy Chérizé, qui est un fugitif. C'est pour nous qui avons marché dans la rue, même gens avec ou avec moi. Il a continué à chercher. Et nous comptons que ont même tout, ils ont accompagné dans ça pour un état de droit dans le pays. L'autre question, moi, je n'ai pas gagné vraiment pour une divergence avec l'ambassade américaine. Haïti, c'est un pays souverain. On a continué à faire travail, nous. On demande plus à qui peut donner plus. Nous gagnons une police qui a professionnalisé depuis plusieurs années. Nous gardons des éléments de la police là. Ils sont très compétents. Tant que directeur général de la police là, je ne veux pas que personne ne comprenne que moi-même avec le directeur général de la police là, nous avons un problème. Non. Moi, je demande au directeur général de la police là pour le bon plus parce que il est capable de bailler plus. Un point et c'est tout. Pas gain l'autre bagarre là-dedans. Directeur général de la police là, il est en place. Là. C'est un professionnel de haut calibre. C'est un monsieur intègre, parce que jusqu'à présent, beaucoup j'entends des personnes dire que le tétion poule dans la rue ou bien le terreur en jeu. Son monsieur très bien, les compétents. Comme moi, son monde qui toujours à faire autocritique, moi, parce que je suis ami de la perfection, m'a demandé le plus, les cabaye plus, et tout le monde a constaté que les commençait à être plus. Merci beaucoup. Ça va? Bonjour. Zéro Charles, Réseau 2000, c'est toujours, c'est plutôt une petite précision, ou bien on relance dans sa guerre avec et déjà bien la chance. Si vous estimez que c'est si compétent, qu'est-ce qui d'après vous-même fait défaut de résultat ça? Qu'est-ce qui est à la base? Est-ce que c'est un problème de moyens ou autre? Merci. Bien sûr, il y a un problème de moyens. Mais moyens, il n'y a pas, du moins ce résultat, il n'y a pas proportionnel à moyens que le gagne. Mais pour manque de moyens, il y a toujours un manque de moyens. Je ne sais pas qu'il y a ni l'armée ni la police, aucun pays qui rêve à satisfaction des moyens que vous avez. Mais j'aime toujours dire, l'insécurité, c'est la cause de la montée comme ça. L'insécurité, c'est la cause que nous n'avons pas faire recette au niveau des GI avec la douane. L'insécurité, c'est lui-même qui, avec instabilité politique là, empêcher que l'entrepreneur investit dans le pays pour créer des jobs. L'insécurité à tout, c'est lui-même qui crase la production agricole là, parce que si nous avons ça passer dans la Tibonite avec ça vient, presque toute vallée de la Tibonite, employés ou bien ouvriers agricoles, n'ont pas qu'à travailler. Paysans n'ont pas qu'à travailler. C'est-à-dire, faut-il bien que la police nationale là, continue pour une responsabilité. Et m'a continué réclamer plus parce que yo ka bay plus et c'est là où bay plus économie pays a l'a marché pi bien n'a résout tout problème inflation que nous gagnons ou bien résoudre en partie et n'a continué bay police nationale la moyen pour continuer fonctionner. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te cap tendez dernière information. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là.
les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babiz ap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.